Guingamp 9e accueille Pau 4e. Merguem, Eloisani et Guillaume vont essayer d'apporter la victoire à l'équipe bretonne. Mais Pau fait un très bon début de saison. D'Almeida, Moussa Silla et Myron George sont notamment titulaires. Première accélération en faveur d'en avant. Les Guingampais sont tout de suite offensifs. Ils se procurent cette opportunité avec un centre de l'autre côté. Puis cette balle légèrement en retrait, reprise par Kalidou Sidibé. La recrue marque son premier but sous ses nouvelles couleurs à son premier match avec Guingamp. 1-0 à la 17e minute. Le ballon donné légèrement en retrait. Puis cette frappe efficace de Kalidou Sidibé, ça commence bien pour l'équipe bretonne. Pau s'est fait surprendre et a du mal à aller de l'avant. Guingamp domine la rencontre, mais un coup de pied arrêté peut aider les Palois à revenir. C'est sauvé sur la ligne. L'énorme opportunité d'égalisation pour Pau. Et cette intervention de justesse en défense de Mathis Rioux. Ça donne des idées aux Palois qui se procurent une nouvelle chance. Et la bonne parade d'Enzo Basilio pour empêcher le but de l'égalisation de Moussa Silla. Guingamp bénéficie de ce coup franc un peu lointain. Et pourquoi pas le rendre efficace avec ce ballon qui traîne devant le but, repris à bout portant par Donatien Gomis. 2-0 à la 38e minute. Après avoir subi quelques opportunités paloises, les Guingampais ont su être patients pour marquer le but du 2-0. Le premier but de la saison pour Donatien Gomis. 2-0 à une dizaine de minutes de la pause. C'est la situation idéale après la remise de Ndour. Gomis marque. Et Guingamp se retrouve avec deux buts d'avance. Cette dernière reprise passe au-dessus. 2-0 à la mi-temps pour Guingamp. A confirmer néanmoins en seconde période, car Pau a su se procurer quelques chances de marquer. Les Palois ont toujours l'espoir de revenir. Mais les Guingampais ne lâchent pas ce match qu'ils tiennent. Et réussissent à marquer un très joli troisième but avec la dernière déviation d'Eloisani pour trouver Amadou Sagna. Mouvement collectif bien huilé et 3-0 après 5 minutes de jeu en seconde période. Le dégagement du gardien, une tête, une déviation d'une touche et un petit piqué. C'est un bien joli but d'Amadou Sagna, son deuxième de la saison. À 3-0, la situation est compliquée pour Pau alors qu'il reste 40 minutes à jouer à ce moment-là. Le chronomètre tourne ensuite en faveur des Guingampais qui maîtrisent les événements. Encore une chance ici avec le centre de Louvambo qui trouve preneur au second poteau. Maxime Sivis est monté et il marque son premier but de la saison à la 89e minute. C'est un beau spectacle et une belle fête pour Guingamp. Le score est de 4-0 contre Pau. Très joli succès des Guingampais avec beaucoup de bonnes actions. Et Pau n'a pas su résister à ce bon match de la formation bretonne. Guingamp était la meilleure équipe dans ce match et se procure même une chance de 5-0 sur un corner en toute fin de partie. La reprise de la tête non cadrée. Une chance de plus pour Donatien Gomis. Il a failli s'offrir un doublé. Guingamp s'impose 4-0 contre Pau.